السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ما بعد حياكم الله جميعا وست سواري دي جودي 19 رمضان 1435 دو ليجير correspondant 17 juillet 2014 Bi'idnillahi ta'ala. Sans tarder, je vous donne, inshallah ta'ala, le micro pour la première question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïkoum Allah, aïkoum Allah, yashir. Donc, nous allons commencer par la première question, qui est une question qui demande quelle est la vie religieuse pour la femme qui a accouché pendant le mois de Ramadan et n'a pas jeûné ce mois. Doit-elle rattraper le mois de jeûne ou doit-elle le compenser en nourriture aux pauvres? Sachant que la ville où j'habite, je ne connais pas de pauvres, puis-je envoyer cette nourriture par le biais d'un frère d'une ville voisine ou à défaut d'envoyer au bled? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc pour la femme qui accouche pendant le ramadan, elle a ce qu'on appelle les louchis. Et les louchis, c'est, ce n'est pas loin des monstrueux. Et ça a aussi le même jugement. C'est-à-dire qu'une femme qui a des louchis doit manger jusqu'à ce qu'elle soit purifiée et elle compte les jours qu'elle a mangé. Ensuite, elle doit les rattraper en quoi? Elle doit les rattraper en siyam. Elle n'a pas le droit de nourrir un pauvre à la place de quoi? À la place du jour mangé. Sauf dans le cas où c'est une femme qui ne peut pas jeûner, qui est malade, comme elle a le diabète ou des maladies incurables. Dans ce cas, elle nourrit pour chaque jour manger un pauvre. Sinon, elle doit jeûner comme celle des monstrues, yani le même jugement, bi'idnillahi ta'ala. Ensuite, dans le cas où elle ne peut pas jeûner, qu'elle a une maladie incurable et qu'elle doit faire nourrir des pauvres, elle peut bien sûr donner à quelqu'un qui est dans une autre ville ou un autre pays et elle le délègue pour qu'il fasse nourrir à sa place. بإذن الله سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم. تفضل pour la deuxième question. نعم جزاك الله خير يا شيخ. D'ailleurs vous l'avez expliqué la dernière fois. Ce qui est louchi et monstrueux, la règle c'est de rattraper. بارك الله فيك. Seconde question. Question d'une sœur qui demande. Je ne sais pas si cette question a déjà été posée, mais j'aimerais connaître votre avis concernant la polémique qui a eu lieu en France par rapport aux horaires de Sabbat. Des frères salafis qui tiennent le site Institut Sunna ont déclaré que les horaires des prières sur lesquels se basent la majorité des savants, la majorité des musulmans en France, c'est-à-dire les calendriers de l'OIF, sont faux, vu que les arguments du site Institut Sunna sont longs. Je vous donne le lien de leurs articles qui traitent de cela pour que vous puissiez le lire. Je vous donne le lien. Cheikh Al Adani de visite à Mulhouse dernièrement a été mis au courant de cette polémique et après avoir vérifié le CL le matin du 4 juillet, aurait déclaré juste l'horaire choisi par l'UOIF. Le Cheikh a donc conclu que l'horaire des calendriers affiliés à l'UOIF était relativement juste à Mulhouse. Voici également l'article qui en parle, donnez le lien. Si vous êtes au courant de ce problème qui se pose en France, pouvez-vous nous éclairer afin de savoir qui nous devons suivre? Donc je voulais juste rajouter que Cheikh, pendant le récompense, a déjà répondu à cette question avant-hier. Donc, cher, je vous laisse le mic si vous avez quelque chose à dire, ou alors on demande à la personne qui se reporte au cours d'avant-hier. Fabuleux, cher. Juste que tu as dit que, à la fin de la question, tu as dit que le cher, Hafidhahullah, a répondu à cette question avant-hier, mais je n'ai pas entendu le nom du cher. Est-ce que c'est possible de me dire qui c'est celui-là, Barakallahu fik? Cher Chalabi, Hafidhahullah. Fabuleux, cher. Ça, j'ai oublié de préciser. Barakallahu fik, cher. Fabuleux. Non, parce que c'était quelqu'un peut-être qui ça fait deux jours a répondu à cette question. Ce problème ou là, pour dire la vérité, moi, yani, je ne sais pas avec qui est la vérité, car je ne suis pas là-bas. Et même tout à l'heure, aujourd'hui après-midi aussi, on m'a posé cette même question. Donc cette question ne cesse de se poser, que comme quoi il y a une grande fitna, il y a ceci, il y a cela. Non. Moi, ce que je sais, je ne suis pas là-bas. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi l'OUF, c'est quoi le CFCM, c'est quoi ces choses-là. Mais, ce que je sais une chose. C'est que, quand je suis un avis,
après avoir vu leur délit et être apaisé en me disant, c'est un grand savant qui a dit telle et telle chose, devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit en arabe, bari et zimmati, je n'ai plus de responsabilité. Car moi je suis quelqu'un des gens de la masse, je ne suis pas un savant, et je ne peux pas yani, lire tous les délits, les chercher tous les délits, les comparer entre les délits, et faire le tarjih, et. Donc, c'est pour cela que je suis yani, skadien, un grand savant, et je ne me casse pas la tête. Alhamdoulilah, le grand savant, ou la Cheikh Al-Adani, ou la je ne sais pas qui a dit ceci, c'est comme ça. Donc, il faut voir, lire, et ensuite voir autant que c'est apaisé, et tawakkal Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne cherche pas à faire yani, à polémique, à dire à l'autre pourquoi toi tu ne me suis pas, et l'autre il te dit pourquoi toi tu ne me suis pas. Chacun suit la vie où il est apaisé en ayant lui les délits. Et Inch'Allah ta'ala, Allah Ta'ala ne vous demandera pas plus que cela, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Tafadhal. Naam, barakallahu fik ya Cheikh. Je voulais juste stipuler que Cheikh Al-Adani, hafidhahullah, et le frère Othman de l'Institut Sunnah, qu'Allah le récompense, doivent se rencontrer à Al-Madina. Donc, Inch'Allah, soyez patients et faites comme le Cheikh Chalabi vous a dit, barakallahu fik ya Cheikh. Donc, troisième question, question d'une sœur qui demande. Est-ce que vous pouvez me conseiller, Afwan, non, j'ai sauté une question, donc une sorte de demande. J'aimerais savoir, Inch'Allah, ce que veut dire Fatahallahu lak. Est-ce une forme de dua? Dans quel cas doit-on l'utiliser? Barakallahu fik. Dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, je trouve que c'est lui le Fattah, l'alim, le Fattah. Non. Et le Fattah, c'est, comme on dit, bon, ça a un mot en arabe. En français, il faut que je le cherche, le fait. C'est la victoire, la libération. Là, c'est comme quelqu'un, par exemple, est dans un problème, ensuite, alhamdoulilah, il y a le fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il vous farige. Donc, quand il dit, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, yiftaha alayk, c'est pas lek, yiftaha alayk. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, qu'il te donne une issue. Non, une issue des problèmes où tu es. Donc c'est permis de dire et de faire une doua pareille, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, na'am. Tafadhal. Jazakallahu khair. Donc, prochaine question. Question d'une sœur qui demande, est-ce que vous me conseillez de transférer par SMS aux sœurs chaque jour une partie d'un livre qui s'intitule « L'importance du tawhid dans l'adoration » de Cheikh Al-Abbad, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, édition Al-Hadith, et savoir si tous les Al-Hadith dans ce livre sont sahih. La question pour moi n'a pas été terminée. Il y avait des coupures. Donc je pose moi la question. Est-ce que la personne est en train de parler du livre? Est-ce qu'il est, il convient pour l'envoyer en SMS ou bien elle parle de la façon? C'est-à-dire elle parle pas du livre, mais yani, envoyer un livre en SMS, est-ce que yani, ça se fait ou ça se fait pas? Donc, de quelle chose elle parle? Du livre? Ou bien, alors bon, je vais dire, est-ce que vous conseillez de me transférer par SMS aux sœurs? Je pense que c'est une lame pour ce tawhid, dans l'oration de Cheikh Al-Mursin Abbad, édition Al-Hadith 1, et savoir si tous les hadiths dans ce livre sont sahih. Les deux. Naam, si la sœur sait qu'en envoyant par SMS, en transférant chaque jour une partie, qu'il y a des, ça veut dire que tu es en train de faire la da'wah, Inch'Allah Ta'ala. Je pense pas qu'un livre de Tawhid de Cheikh Mohsin Abbad contienne yani, des livres des hadiths faibles, surtout dans la Aqida, ça m'étonnerait. Non. Et même s'il y a un hadith daif et que toi tu ne savais pas, et que tu n'as pas les moyens de vérifier, et que tu l'as envoyé, tu n'as pas, Inch'Allah Ta'ala, de s'y être. Tu as envoyé le livre d'un grand savant. Surtout si tu n'as pas les moyens de vérifier. Donc il faut voir si on est sûr qu'il y a des gens qui lisent. C'est une forme, c'est une sorte de da'wa bi'idnillahi ta'ala. Allahu ta'ala alam, s'il y a sincérité, Inch'Allah que la personne aura des récompenses bi'idnillahi ta'ala. Allahu ta'ala alam. Tafadhal. Naam, jazakallahu khair, ya Cheikh. Prochaine question qui dit, je suis une sœur convertie. Alhamdulillah, et ma question est au sujet de ma famille. En fait, dans ma famille, beaucoup de mes tantes ne vivent pas dans la même région ou pays que moi. Et depuis toute petite, je ne suis pas vraiment en relation avec elles. Mais maintenant que je suis dans l'islam,
Je sais qu'il faut maintenir les liens avec les temples et je me demandais si j'étais en tort du fait que je ne leur parle jamais, même pour prendre des nouvelles, car je n'ai même pas leur numéro et depuis toute petite, c'est comme ça bizarre que du jour au lendemain, je les appelle. Donc j'aimerais savoir si je suis en tort et si ça fait partie du fait de rompre les liens de parenté. Fadal Richer. Naam, les tantes, c'est très important. Les tantes et les oncles, c'est très important. Ensuite, le fait de ne pas s'être parlé pendant des années et que maintenant je commence à leur parler, c'est bizarre peut-être pour les tantes, mais ce n'est pas étonnant pour nous. Ah, quelqu'un qui vient de sortir des ténèbres, qui vient de voir les lumières et qui commence à voir la vérité, et maintenant il voudrait se corriger, et il voudrait raffermir son cœur sur la vérité et faire ce que Allah Ta'ala lui a ordonné de faire. Ah, ce n'est pas donc pour nous bizarre du tout. Ah, donc, même si elles vont demander comment ça se fait, des années qu'ils n'ont pas cherché après nous, et oui. Des années, je n'ai pas cherché parce que je n'étais pas vivante. Non, j'étais dans un gouffre, dans les ténèbres, je savais plus ce que je faisais. Maintenant, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi mon cœur. Je suis pratiquante religieuse, je suis musulmane, je suis ceci, ça. Non, c'est mon dîme qui me dit de faire cela. Et peut-être ce sera, inshallah, une cause pour elle, yani, qu'elle veuille comprendre c'est quoi l'islam. Et pourquoi pas une cause, inshallah ta'ala, pour entrer en islam. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal. Naam, jazakallahu khair, ya cher. Prochaine question. Question d'un frère qui demande: est-ce que l'on prend des péchés en écoutant l'audio d'un imam faisant la dua du qunut en salam audiant? Barakallahu fik, ya cher. Tfadlal. Hal mumkin tu'id soual, barakallahu fik. Naam, pas de souci, ya cher. Donc je répète, le frère demande: est-ce que l'on prend des péchés en écoutant l'audio d'un imam faisant la doua du qunut en salam audiant? Je ne sais pas si on prend des péchés en écoutant une chose pareille, car d'un côté c'est une bid'a, et de l'autre, car l'imam qui a fait ça, je ne pense pas, yani, qu'il savait que ça se fait pas, il le fait. Celui qui a fait ça, sûrement que c'est un djihl. Sûrement qu'il ne sait pas que ça se fait pas. Car c'est un peu étonnant qu'une personne sache qu'une chose ne fasse pas et ensuite la fait. Sauf si c'est un moubtadi, bien sûr, qui ne veut pas revenir vers le haq. Naam. Donc moi, ce que je dis, au lieu de dire est-ce qu'on a des péchés ou pas, Allah subhanahu wa ta'ala alam, je dis, yani, c'est pas de la sunna de comment ça s'appelle, de psalmodier les doigts, mais il faut les lire normalement. C'est pour ça que quelqu'un qui fait comme ça des doigts, je préfère mieux ne pas l'écouter. D'ailleurs, ça ne me donne même pas trop choix. Je sais qu'il est en train de chantonner, de chanter. Naam. Donc, celui-là, il me donne trop choix. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal. Naam, barakallahu fik, cher. Prochaine question, question d'une sœur qui demande: je souhaiterais savoir comment une femme peut-elle effectuer ses salat lorsqu'elle est en voyage et qu'il n'y a pas de lieu à l'abri du regard des étrangers. Je veux lui dire, si elle dit par là ou elle croit par là, si elle croit par là que l'homme, ça lui est interdit de prier dans un endroit où les hommes, là, elle se trompe. Il n'y a aucun délit qui dise que, yani, quand la femme prie, il ne faut pas que les hommes la voient. Mais les savants disent, quand elle prie s'il y a des hommes, yani, elle devrait, yani, chercher un endroit où, de préférence, yani, quand elle est dans le soujoud ou quand elle est dans le recours, que yani, les hommes, par exemple, soient devant elle, pas derrière elle, pour yani, ne pas voir son corps qui va se déformer de son corps. Naam. Quand les prières s'ils sont là-bas en face de moi ou bien, ce n'est pas interdit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait, les femmes étaient où? Étaient derrière. Donc il y a des hommes. Donc prier devant des hommes. Mais seulement en étant derrière. Mais les hommes, ils sont à quel mètre? Au point où il y avait quelqu'un qui, à chaque fois qu'il faisait le recours, il regardait au-dessus de ses aisselles, il regardait une femme qui était belle, qui était dans le premier rang des femmes, et lui, il se mettait spécialement dans le dernier rang des hommes, pour la voir de plus près. Même que Allah Ta'ala a fait descendre un verset spécialement pour cette personne, lui disant que, yani, وَلَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ
وقد يعلم الله المستقدمين منكم ويعلم المستقدمين تأخيرين. صديق الله تعالى connaît ceux qui avancent et ceux qui reculent. Attendez une seconde, puisque j'ai le programme devant moi, le verset devant moi, une seconde. مستقدمين. مستقدمين. لقد علمنا المستقدمين منكم. علمنا المستأخرين. وهي الفرسي ولقد علمنا المستقدمين منكم. ولقد علمنا المستأخرين. On va voir en français comment ils l'ont traduit. Ce verset est descendu pour ceux qui, quand ils rentrent dans la mosquée, ceux qui avancent pour yani la salat et Allah Ta'ala, et ceux qui retardent à cause des femmes qui sont derrière. On va voir comment ça a été traduit. Et c'est bien nous qui donnons la vie et donnons la mort, et c'est nous qui sommes l'héritier de tout. Donc ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Ce n'est pas du tout la vraie traduction. Après, la vraie traduction, c'est la cause de Allah Ta'ala fait descendre ce verset, c'est à cause d'un sahabi qui allait, comme j'ai dit, dans le dernier rang et regardait sous ses aisselles. Allah Ta'ala dit, nous connaissons, on connaît ceux qui, ils vont vers l'avant, et on connaît ceux qui vont vers l'arrière. Naam. Fadl. Naam, j'étais en train de vérifier la traduction sur mon portable, moi, mais bon, je vérifierai tout à l'heure. Donc, prochaine question, Inch'Allah. Assalamu alaikum, ya Cheikhana. J'ai du mal à comprendre ce hadith. Pouvez-vous simplement m'expliquer quelle doit être la croyance du sunni quant à ce hadith, barakallahu fikoum. Donc, le hadith est, d'après Jabir, radiallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, à chaque rupture du jeûne, Allah a franchi des gens de l'enfer, et ce, chaque nuit. Rapporté par Ahmed, numéro 21698, et par Ibn Majah, numéro 1642, et jugé authentique par Sheikh al-Albani dans Sahih Ibn Majah. Je n'ai pas compris où est le problème dans le hadith. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans ce hadith? Donc il demande, pouvez-vous simplement m'expliquer quelle doit être la croyance du sunni quant à ce hadith? Barakallahu fikoum. Donc il demande de l'explication de ce hadith, le sharh du hadith. Tayyib, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il y a comme problème dans le hadith. Naam. Qu'est-ce qu'il y a comme problème dans le hadith? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est sujet à interrogation? Qu'est-ce qu'il y a dans ce hadith, yani de spécial? Ici, le hadith a dit que chaque nuit, alors à chaque fois qu'il y a rupture du siyam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affranchi des gens de l'enfer. Où est le problème donc? Est-ce qu'il croit que... Peut-être que je commence à comprendre, Allah a'lam. Est-ce que peut-être qu'il croit que maintenant, il y a des gens qui sont en enfer, et Allah Ta'ala va les affranchir? Est-ce que c'est ça la question? Demande-lui si c'est ça la question. Est-ce que les gens en enfer? Donc, Fawzi, si tu peux demander. Par contre, cher, j'ai vérifié sur mon portable, et moi j'ai la bonne traduction, et là on vient de me dire en TV que vous êtes trompé. Vous avez donné la traduction du verset numéro 23, donc il y a un décalage dans votre logiciel. Et ça, j'ai vérifié, et c'est la traduction du verset numéro 23 et non du numéro 24 que votre logiciel a mis. Pour moi, la traduction du numéro 24, eh bien, et nous connaissons certes ceux qui parmi vous ont avancé, et nous connaissons ceux qui tardent encore. Voilà. Donc on va passer à la prochaine question, le temps que Fawzi demande à la personne, Inch'Allah. Voilà, exactement. Donc il y a un décalage par rapport à votre logiciel, Wallahu A'lam. Donc prochaine question d'une sœur qui demande, qu'Allah Ta'ala vous augmente en degré et vous comble de ses bienfaits. La question est la suivante, pour pouvoir louer un appartement en France, les propriétaires exigent que le futur locataire ait un salaire d'au moins 3 fois le montant du loyer. Et il se trouve que pour avoir un appartement F2, F3, les loyers sont de 600, voire 700 euros minimum. Par conséquent, le futur locataire doit toucher 3 fois 600 ou 700 euros, soit entre 1800 et 2100 euros, net minimum. En ce qui nous concerne, mon mari n'arrive pas à trouver un travail et nos revenus sont loin d'atteindre ces montants cités plus haut. Par conséquent, on a beaucoup de mal à trouver un appartement et notre appartement actuel est très petit. Est-ce qu'il est possible de faire de faux bulletins de paie
sachant que la condition qu'imposent les propriétaires est désavantageuse par rapport aux locataires, ou est-ce que cela rentre dans le mensonge? Jazakallahu khayr. Faddal yashir. Naam, ça rentre dans le mensonge. Ça rentre dans le mensonge. وَمَنِ اتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne une issue. Donc ça rentre dans le tazwir et dans le mensonge. Naam. Et ça ne va pas régler les problèmes bi'idhnillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide pour qu'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il nous fasse des solutions, yani, pour qu'il nous fasse des solutions, yani, shar'iyya et religieuses et légiférées et halal et pleines de baraka bi'idhnillahi ta'ala. Tfadbal. Naam, barak, vous faites amin, amin, amin. Jazakallahu khair, cher. Prochaine question. Question. Une sœur qui demande, est-ce permis d'effectuer durant son vivant des cotisations annuelles et fixes pour rapatrier le corps d'un défunt, puis pour qu'un accompagnateur puisse ramener le corps dans son pays d'origine? Ah Mahmoud, Inch'Allah ta'ala, si c'est possible de répéter la question. Naam, cher. Donc, la sœur demande, est-ce permis d'effectuer durant son vivant des cotisations annuelles et fixes pour rapatrier le corps d'un défunt, puis pour qu'un accompagneur puisse amener le corps dans son pays d'origine? Barakallahu fikoum. Donc je ne sais pas si la sœur parle par rapport aux assurances qui sont mises en service en France pour rapatrier le corps dans le pays d'origine, ou elle parle d'une cotisation entre frères et sœurs. Si c'est une cotisation bénévole, c'est-à-dire je donne quand je peux, quand je ne peux pas, je ne donne pas. Et si je donne pas, il n'y a aucun, c'est-à-dire il n'y a pas d'amende. Ou alors on fait quelque chose, c'est pas quoi. Bénévolement, je donne chaque mois ou chaque année ou là, c'est permis. Encore Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit, le mieux serait de ne pas dire par exemple, yani on va faire une caisse et chaque mois donner 50 euros par, disons, par an, par exemple. Il a dit non. Il a dit mais chacun donne combien il peut. Parce que celui qui est médecin, ce n'est pas comme celui qui est, je ne sais pas quoi, qui a un travail qui ne rapporte pas en France. Je ne sais pas, donc c'est pas comme celui qui est boulanger. Boulanger, peut-être ça rapporte. C'est l'un des richards de France. Donc, disons, c'est pas comme quelqu'un qui ne travaille pas bien. Vous avez compris? Donc, celui qui donne 50, le médecin qui donne 50 euros, pour lui, c'est rien. Mais l'autre qui travaille pas bien, il donne 50 euros par mois, peut-être c'est beaucoup. C'est pour cela que le mieux serait de donner ce qu'on peut. Comme ça, c'est une sorte d'aide. Quand quelqu'un meurt, Inch'Allah Ta'ala, il est rapatrié, envoyé vers son pays avec de l'aide d'argent qui ont aidé, fils abidillah. Wallahu ta'ala alam. Tfadbal. Naam, jazakallahu khair, cher. Moi, ce que je sais lorsque j'étais en France, ce que j'ai su de la communauté turque, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une caisse où ils mettent chacun une certaine somme d'argent, et lorsqu'ils ont besoin de rapatrier un corps, ils se servent de cet argent. Est-ce qu'on peut faire de cette façon-là ou pas? Tfadbal, cher. Et justement, c'est de cette caisse qu'on est en train de parler. C'est de cette caisse qu'on est en train de parler. Si on va se mettre d'accord et faire une caisse de côté, et on met de l'argent, yani celui qui peut 20 euros par mois, celui qui peut 10, celui qui peut 1 euro, celui et quand il y a quelqu'un qui doit être rapatrié et n'a pas les moyens de l'aide, il n'y a aucun problème. C'est même bien bi'idhnillahi ta'ala. Mais si on exige, on dit il faut, sinon ceci, cela, non. Tfadbal. Par rapport au hadith, qu'est-ce qu'elle dit? La communauté turque, c'est vrai qu'ils sont très bien organisés. Allahumma barak. Donc ta sœur a dit par rapport au hadith de tout à l'heure, donc je le poste, d'après Jabir, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit certes à chaque rupture du jeûne, Allah a franchi des gens de l'enfer, et ce chaque nuit. Donc la sœur demande que l'on œuvre pour notre affranchissement ce mois béni, que cela peut être une cause qu'Allah nous délivre si notre place est en enfer. Afin, j'ai du mal à expliquer, dû certainement à une mauvaise croyance à ce sujet.
Donc je pense qu'elle voulait peut-être l'explication de, je ne sais pas, parce que le hadith est clair. Très inchallah, tafadhal ya cheikh. Maalish. Maintenant, la personne, quand elle est dans cette vie, elle ne sait pas si elle va aller au paradis ou si elle va aller en enfer. Car elle ne sait pas comment qu'elle va mourir. Si elle va mourir sur le tawhid ou pas. Que Allah Ta'ala raffermisse nos cœurs pour qu'on meure sur le tawhid. Et maintenant, même si elle meurt sur le tawhid, elle ne sait pas si elle va aller directement au paradis ou bien passer d'abord par l'enfer et enfin aller au paradis. Deux choses qu'elle ne sait pas. Donc ce hadith montre que yani, c'est quoi la grande place et le grand statut du jeûne qu'occupe le jeûne et le jeûneur, quels sont les mérites qu'il a. Et que peut-être yani, que c'est la cause d'avoir jeûné, c'est la cause qui a été ton affranchissement de l'enfer. Car dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque personne avait quoi? Avait deux places. Deux places, maqadain. Chaque personne, chaque créature a deux places. Une place dans le paradis, une place dans l'enfer. Et maintenant, en faisant des choses par essayam, etc., Allah subhanahu wa ta'ala affranchit et donne ta place que tu avais dans l'enfer. Yani, il te l'enlève et la donne à un kafir, à un autre qui va rentrer en enfer. Et toi, il t'affranchit, il te laisse seulement ta place du paradis bi'idhnillahi ta'ala. Donc, ce hadith veut dire que yani, il faut jeûner, que c'est une des causes bi'idhnillahi ta'ala d'être affranchi de l'enfer. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadda. J'avais le cher. Prochaine question qui demande, question d'une sœur qui demande. Mes parents prient et jeûnent le mois de Ramadan. Ils contactent des marabouts pour qu'ils leur disent leur avenir. Et ils ont des talismans dans leurs affaires pour se protéger. Mon père les contacte aussi pour faire du mal aux gens. Ils disent que Allah pardonne tout et ne veulent pas m'écouter. Aller voir des sorciers est normal dans ma famille. Ils disent que Allah pardonne tout. Afoun, je t'ai coupé parce que j'étais pas avec toi dans le début. Et pour moi, chaque mot... Afoun, si tu recommences, Allah Ta'ala, barakallahu fik. Non, cher, il n'y a pas de souci. Donc, la question, la sœur demande. Mes parents prient et jeûnent le mois de Ramadan. Ils contactent des marabouts pour qu'ils leur disent leur avenir. Et ils ont des talismans dans leurs affaires pour se protéger. Mon père les contacte aussi pour faire du mal aux gens. Ils disent que Allah pardonne tout et ne veulent pas m'écouter. Aller voir des sorciers est normal dans ma famille. Ils disent que Allah pardonne tout. Je leur ai dit que non, mais ils ne m'écoutent pas. Est-ce que mon père peut être mon tuteur? Dans le cas où il ne l'est plus, j'ai un grand frère à l'étranger que je ne connais pas et que je n'ai jamais vu. Je ne sais donc pas s'il prie ou autre, puis-je les prendre comme tuteur? Il n'a pas les papiers français, il ne peut pas venir en France. Je dois chercher un tuteur obligatoirement dans ma famille ou est-ce que je peux prendre un imam par exemple? Est-ce que je dois informer le prétendant de ce que fait ma famille? Le prétendant, en fait, n'a rien à voir avec ce que fait la famille. Non, le prétendant n'a rien à voir. Mais maintenant, si on veut qu'il sache en ce sens que, après, il ne va pas dire « je ne savais pas ceci, cela ». Car en fait, le prétendant va épouser cette sœur. Donc, il n'a rien à voir avec sa mère et son père. Mais il y en a qui, après la petite bête, et te dit « moi, je ne savais pas que tes parents faisaient le shirk, etc. » C'est comme s'il allait se marier aussi avec son père. Donc, si la personne a peur de cette shubha, donc, il peut dès maintenant lui fermer la porte. Et lui dire que voilà, moi je n'ai rien caché, mes parents ne sont pas sur le vrai chemin, etc. Ensuite, on revient à son père qui fait des choses pareilles, qui fait le shirk et le grand shirk et va demander en ce qui concerne l'avenir, etc. Non. Si, il y a quelqu'un qui a de la science, et établit la preuve sur lui. Et ensuite, il n'écoute pas, il dit non, c'est pas vrai, etc. Il ne devient plus tuteur.
Mais en étant comme ça, djahil, en étant comme ça, il est toujours djahil, il y a personne qui a établi sur lui la preuve. Et sa fille qui vient de poser maintenant la question, pour lui, n'a pas le statut de quelqu'un qui établit la preuve. Il dit, c'est qui celle-là? C'est ma fille, depuis quand elle connaît l'islam et depuis quand elle va m'apprendre? Depuis quand elle va m'apprendre le livre? Moi qui ça fait 50 ans je prie, et 50 ans que je jeûne et je suis 6 fois. Comme ça lui il pense. C'est pour ça que tout ce qu'elle dit, il ne va pas la croire. Et quand il ne va pas la croire, ça veut dire qu'elle n'a pas établi la preuve sur lui. Donc il reste toujours un djahil, même dans des grandes choses comme ça. Contrairement aux haddadistes et aux juhala qui disent que yani, celui qui se trompe, il ne peut pas être excusé. Comme ça, il dit, il n'y a pas d'excuse dans les grands péchés, le shirk, etc. Alors tout ça, ce n'est pas vrai. Dans le shirk, dans tout, il y a des excuses, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Rabi', Cheikh Fawzan, et tous les autres, Cheikh Ubaid et les grands savants. Donc, je redis, ce père, Naam, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait de la science, qui établisse sur lui la preuve. Pas sa fille. Sa fille, pour lui, Naam, il ne la croit pas, il dit, celle-là, elle a ramené un nouveau din, et elle suit les terroristes, etc. Et elle n'a pas de science. C'est pour cela que, si elle peut, elle demande à son père de donner la tutelle. La tutelle, par exemple, à son frère, c'est-à-dire à son fils, à lui. Naam. Et le frère dont elle a parlé ici, elle a dit que je ne le connais pas, etc. etc. Naam. Il faudrait qu'elle voie, qu'elle ait des relations à voir. S'il, lui aussi, il peut être tuteur, il ne peut pas. C'est-à-dire, il est possible qu'il soit... que Allah Ta'ala m'excuse, il est possible qu'ils suivent le bouddhisme ou je ne sais pas quoi. Non. Où est la preuve? Donc il faudrait d'abord voir si lui il remplit les conditions. Quant à chercher un imam, ça c'est vraiment, c'est la dernière issue. Mais il y a d'autres étapes à suivre. Et je les ai montrées plusieurs fois en disant voici les étapes qu'il faut suivre pour les tuteurs, pour arriver enfin à dire je n'ai pas de tuteur dans la famille. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Naam, j'ai un peu prochaine question, qui sont les sœurs qui demandent. J'aimerais savoir quel conseil donneriez-vous à une sœur qui ressent un besoin réel de se marier, mais qui ne sait pas comment faire les causes. Je patiente, fais des doigts au moment où elles sont le plus exaucées, etc. Je ne sors pas beaucoup et fréquente très peu de sœurs. Je ne sais donc pas à qui demander, ni comment y procéder. Je ne peux pas vraiment demander l'aide de mon père, car il n'est pas salafi. Je me dis que c'est bien d'invoquer Allah Ta'ala et patienter, et peut-être qu'il faut faire des causes à côté, mais lesquelles? Qu'Allah augmente en bienfait toutes les personnes ici présentes, sans de réfléchir. Les causes, c'est très facile, bi'idhnillahi ta'ala. Elle se met en contact avec des sœurs. Elle va à la mosquée, elle va où il y a des cours, elle se met en contact avec des sœurs qui sont dans le minhaj. Et elle leur demande de leur trouver quelqu'un qui veut se marier, c'est tout. Et c'est là, elles ont toutes, yani un frère, ou alors elles ont un cousin, elles ont un oncle, elles ont comme ça. Et voilà, moi je t'aide, naam, je te marie avec mon neveu, et toi aussi tu m'aides, si tu connais quelqu'un, yani, montre-le-moi, ou alors mets-moi en lui en relation avec son tuteur pour me marier avec lui. Propose-moi à ton neveu. Naam. Et comme ça. Donc, si maintenant elle va rester enfermée dans la maison, il faudrait qu'elle bouge. Il faudrait qu'elle bouge et qu'elle dise, je veux me marier, aidez-moi. Elle demande à des soeurs, elle demande à des voisines, elle demande à sa famille, elle demande et comme ça. Naam. Et ensuite, elle ne se précipite pas. Elle ne se hâte pas. C'est pas le premier venu, mais elle voit. Elle voit combien il y a de possibilités. Elle choisit et elle compte ça. Puis... Non, je vais commencer à chercher. Donc, prochaine question. Question d'un frère qui demande. C'est la même chose pour les frères.
La même chose pour les frères. Les frères, yani, demandent aux frères de les aider. Il y a des frères qui ont des sœurs. Non, mais il y a des frères qui ont des tantes, qui ont des nièces. Il y a des frères qui ont des épouses. Et leurs épouses, elles ont des sœurs. Et leurs épouses, elles ont des tantes. Et comme ça. Yani, il faut s'entraider. S'entraider dans le bien. Et toute personne qui aide une autre personne à se marier, bi-idhnillahi ta'ala, elle aura de grandes récompenses, yawm al-qiyama. Car tu as aidé la personne à quoi? À fonder une famille, à avoir des enfants, à se préserver de la fitna. Tu l'as aidé à s'éloigner du haram. Et alhamdoulilah, et tu as, avant cela, tu as été la cause d'avoir multiplié le nombre de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc, il faut, inshallah ta'ala. Et il y a aussi le frère Fawzi qui est avec nous. Il y a son épouse, inshallah ta'ala, pour quelqu'un qui yani, pour les sœurs, si elle veut la contacter. Naam. Donc, inshallah ta'ala, et comme ça, chacun, ses services qu'il peut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadal. Naam. Ensuite, une autre chose avant d'oublier, une chose importante. Écrit numéro 1 si vous m'entendez. Alhamdoulilah. J'ouvre une parenthèse pour dire que il y a une personne vraiment dans le besoin. Naam. Si jamais il y a des gens qui veulent donner leur zakat al-mal. Vous savez que plusieurs fois on me dit que si je prends l'argent zakat al-mal pour la distribuer, plusieurs fois je dis non, parce que je ne connais personne, je ne sais pas à qui la donner, ensuite ça devient une grande responsabilité, donc que chacun la donne et a dit de son côté c'est mieux. Mais là, je dis, il y a une personne qui a des dettes, et donner la zakat à un endetté, vous savez que ça rentre dans les 8, et vraiment cette personne, des dettes au point où elle pense au suicide. Cette personne, au point où elle pense qu'Allah Ta'ala la préserve, elle pense au suicide. Donc voilà, naam. Quand la personne est pleine de dettes et que y a des gens qui l'attendent devant la porte à chaque fois et ceci, cela, et risque la prison et a peur de la prison et ceci, cela. Voilà, naam. S'il y a des gens qui veulent envoyer leur zakat al-mal spécialement pour cette personne, ils peuvent contacter par exemple Fawzi, naam. Et lui, il va voir comment yani, nous la faire arriver bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfadal. Naam, je vous remercie, cher. Et qu'Allah facilite le frère pour ses dettes à rembourser. Donc, prochaine question d'un frère qui dit après, j'aurai une question, Inch'Allah. J'ai ma mère qui ne jeûne pas suite à sa pension. Je voudrais savoir qui doit expier son jeûne, ma mère ou mon père. Par Allah, ou fait que cher. Tfadal, cher. La question est, je n'ai entendu qu'une partie. J'ai ma mère qui ne jeûne pas. Je crois que tu as dit la pension. Wallahu alam. C'est quoi donc toute la question, barakallahu fik? Donc le frère, il demande, il a sa mère qui a de la pension et elle ne peut pas jeûner par rapport à cela, et il demande qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle doit faire pour expier son jeûne. Ça donne le chien. C'est très simple. Je vous ai dit que il y a des règles qui sont très importantes et qu'il faut apprendre. Non, quand on connaît ces règles, on ne pose pas à chaque fois yani, la même question. Comme lorsqu'on a expliqué pendant le CIEM, pour le CIEM, que yani, pour aduler le CIEM, il faut 3 choses, si vous vous rappelez. Non, s'il n'y a pas une de ces 3 choses, on ne peut pas dire que X a annulé son CIEM. Et on avait cité que parmi ces 3 choses, c'était quoi? C'est le ilm. Connaître que cette chose est haram. Deuxièmement, yani, dhikr, se rappeler, car je sais que manger c'est haram, mais j'oublie et je mange. Donc ça n'annule pas. Et la troisième, si vous vous rappelez, on avait dit, al-qasd. Al-qasd, c'est la niya, yani, j'ai pas fait exprès. Je sais que boire pendant le ramadan, c'est interdit. Et je me rappelle maintenant, j'ai pas oublié, que boire, c'est interdit. Je l'ai là, dans la tête. Dame, je sais maintenant, et je me rappelle. Mais sans le vouloir, je bois. En me brossant mes dents, je laisse y aller une gorgée qui rentre. Donc, dame, ça n'annule pas.
je voulais dire que quand quelqu'un connaît les règles, ça l'aide beaucoup, bi'idhnillahi ta'ala. Et plusieurs fois, je vous ai donné une règle très importante, et je la répète, ma'alish, c'est pour le siyam, et peut-être, inshallah ta'ala, que cette fois, vous allez la prendre pour de bon, inshallah ta'ala. Je dis, toute personne qui n'a pas jeûné pendant le ramadan, toute personne qui n'a pas jeûné pendant le ramadan, qui n'a pas pu jeûner, on regarde l'âme, pourquoi elle n'a pas jeûné. Et ensuite, si on nous dit qu'elle n'a pas jeûné parce qu'elle ne peut pas, elle est malade, on regarde, est-ce que sa maladie, c'est une maladie guérissable ou bien incurable, qui ne guérit pas. Si la personne nous dit, ma maladie est voilà, curative, ma maladie se guérit, on lui dit, alors, mange, puisque tu ne peux pas jeûner, et quand tu guériras, tu dois rattraper des jours, tu dois. C'est pas la peine de nourrir des pauvres, tu peux pas. Pourquoi? Parce que tu peux guérir, ta maladie est guérissable, donc attends que tu guérisses et tu rattrapes les jours. Non. Et si la personne nous dit, ma maladie c'est le genre incurable qui ne guérit pas, donc à quoi ça sert d'attendre qu'elle guérisse, puisqu'elle ne peut pas guérir? On lui dit, donc tu vas expier, c'est-à-dire nourrir un pauvre pour chaque jour mangé. Tu comptes combien de jours tu as mangé et tu nourris autant de pauvres. Donc maintenant, on va appliquer cette règle sur la personne qui a posé la question. On va lui dire, est-ce que la tension, c'est quelque chose qui guérit ou qui ne se guérit pas? Et je voudrais que ce soit la personne qui a posé la question qui me réponde. Qu'elle me dise elle-même, c'est une maladie guérissable ou incurable. J'attends sa réponse. On attend la réponse du frère. Et tant qu'on attend la réponse du frère, Inch'Allah, il y a cher, il y a une personne qui est venue me voir en TV et qui me dit qu'ils voudraient donner leurs inquiétudes à la personne que vous avez parlé. Et il se trouve que ces personnes sont sur Bida. Donc, Inch'Allah, je vais vous mettre ça en whisper, car ils vous connaissent. Et je vous mets ça en whisper, Inch'Allah. Donc, est-ce qu'on a la réponse du frère? Est-ce que c'est curatif ou non au niveau de la tension de sa maman? Est-ce que elle a toujours ce problème de tension ou pas? Non, alors donc elle a toujours ce problème de tension. D'accord. Cher Fadon. Ça y est. Moi, je voulais juste y aller pousser la personne à ce qu'elle réponde elle-même. Vous savez, la réponse est claire. La tension, c'est une maladie qui reste avec la personne à vie. Ou du moins, jusqu'à présent. On n'a pas trouvé y aller sa solution. Elle est le diabète. Et le cancer et le sida et... Donc celle-là, puisqu'elle a la tension toujours avec elle et qu'elle ne peut pas jeûner, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit nourrir pour chaque jour manger un pauvre. Non, elle nourrit pour chaque jour manger un pauvre, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. D'accord, frère cher. Prochaine question, Inch'Allah. Question du, je ne sais pas, d'une frère ou d'une sœur, je ne sais pas ce que c'est. Demandez au cher si le phénomène des anonymes sur Facebook est licite ou pas. J'ai un problème, cher a dit que Facebook, faut les éloigner de Facebook. Donc, il demande si le phénomène des anonymes sur Facebook est licite ou pas. Certaines aident et d'autres demandent conseils par rapport à leur vie privée, si tout ça est légiféré ou pas. Barakallah, vous faites que cher, ça donne. J'ai pas compris, c'est quoi exactement la question? Qu'est-ce qu'elle cherche sur Facebook? J'ai pas compris ce qu'a dit la personne qu'elle cherchait sur Facebook. Ça donne. Non, cher, donc Facebook. Il demande est-ce que le phénomène des anonymes, c'est-à-dire des gens anonymes, ils n'ont pas de pseudo, on ne sait pas qui c'est, ainsi de suite, est-ce que c'est licite de ne pas savoir à qui on a affaire. Certaines personnes demandent de l'aide, c'est-à-dire des quêtes d'argent et ainsi de suite, ou d'autres aides psychologiques ou autres, et d'autres demandent conseils par rapport à leur vie privée, si tout ça est légiféré ou pas par l'Ové Gachir Fadam. Personnellement, je ne conseille à aucune personne, Naam, qui dit que yani, je suis dans le minhaj et que je cherche à apprendre, etc., d'avoir un compte Facebook. Non, le Facebook, ce n'est pas yani, ce n'est pas fait pour les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et les gens qui veulent apprendre, etc. Le Facebook, c'est un... Voilà. Et certains disent Facebook. Attends, je vais t'écrire. Facebook. Voilà, Facebook. Facebook, ça veut dire perversité. Perversité, c'est pas Facebook. Un mohim. Tout
tout ce qui se passe à l'intérieur, il n'y a que des choses qui ne sont pas bien, et des rencontres et des photos de femmes et tout d'eux. À part cela, ce sont les gens qui se rencontrent là-bas, ce sont des gens de la masse et qui font des rendez-vous pour faire des manifestations, des rendez-vous pour se rebeller contre le gouverneur, des rendez-vous des khawarij, etc. Al-Muhim. Je ne conseille le Facebook à personne, ni pour parler avec des gens, ni pour les aider, ni pour leur expliquer, ni. Voilà ce que je donne, inshallah ta'ala, comme conseil, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadla. Par contre, si vous pouvez m'ouvrir votre PV, parce que j'ai des trucs à vous transmettre, inshallah. Donc, question suivante. Je suis une sœur qui a le compte de mon mari. C'est une sœur qui a le compte de son mari, c'est-à-dire elle a le pseudo de son mari. Ma situation, je suis une convertie, alhamdulillah. Aucun membre de ma famille n'est musulman. J'avoue les guides. Oui. J'ai un de mes frères qui est homosexuel. Lors des réunions de famille, mon frère est présent avec son ami homosexuel. Ma question est, puis-je rester dans la même pièce qu'eux et me mettre à table avec eux en gardant mon djibet? Est-ce que mon mari peut rester dans la même pièce lorsque je l'accueille? Qu'Allah vous fasse yachir, qu'Allah vous préserve ainsi que votre famille. Amin. Mahmoud, si c'est possible de recommencer la question, barakallahu fik. Fait. Naam. Alors, je vais la trouver, Inch'Allah. Je suis une sœur. J'ai le micro? Oui. Je suis une sœur qui a le compte de mon mari. Donc elle a le compte de son mari, le pseudo de son mari actuellement. Sa situation, je suis une convertie, alhamdulillah. Aucun membre de ma famille n'est musulman. Qu'Allah les guide, amin. J'ai un de mes frères qui est homosexuel. Qu'Allah nous en préserve, amin. Lors des réunions de famille, c'est-à-dire des repas, mon frère est avec son ami homosexuel. Ma question est, puis-je rester dans la même pièce qu'eux et me mettre à table avec eux en gardant mon djibel? Est-ce que mon mari peut rester dans la même pièce lorsque je l'accueille? Pardon, fikoum, qu'Allah vous préserve ainsi que votre famille. Fadal les chefs. Reprends-moi si j'ai bien compris. Donc cette sœur, a un frère qui est homosexuel. Et son frère ramène un autre ami qui est homosexuel. Est-ce que c'est ça? En fait, c'est une sœur convertie et elle a son frère qui est homosexuel. Et lors des repas de famille, son frère, celui-ci, amène son ami homosexuel. C'est-à-dire qu'elle se retrouve à table avec son frère et le petit copain à son frère, homosexuel. Donc elle demande est-ce qu'elle peut participer à ce repas avec son mari à elle-même. Je ne sais pas si j'ai été clair. Non, mais je veux savoir. Son frère, donc il vient chez elle et chez son mari. Elle habite avec son mari et son frère, Yannick, qui vient le rendre visite, il ramène son ami. Est-ce que c'est comme ça? Ah oui, vous voulez savoir si c'est chez elle ou là chez ses parents? Les réunions de famille. Si c'est chez elle ou chez ses parents? Non, je ne sais pas. Les femmes homosexuelles lors des réunions de famille, mon frère est présent avec eux, son ami homosexuel. Je vais rester dans la même pièce qu'eux et me mettre à table avec eux en gardant mon djibel. Est-ce que mon mari peut rester dans la même pièce lorsque je l'accueille? Lorsqu'elle accueille son frère, est-ce qu'il peut rester dans la même pièce? Je ne sais pas, je pense que ces réunions de famille, c'est-à-dire des repas, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent en famille. Donc je ne sais pas si c'est chez elle ou chez ses parents. Allahu a'lam. Donc, elle demande si elle peut l'accueillir son frère qui est homosexuel avec son ami chez elle ou là chez ses parents. Je pense que ça doit être chez elle. Si elle l'accueille, c'est chez elle. Homosexuel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait des grands péchés. Quelle est la différence entre celui qui est homosexuel et celui qui fait par exemple la zina et celui qui boit de l'alcool? Est-ce que s'il buvait de l'alcool, par exemple, elle n'aurait pas. Yani, serait pas assise avec lui, ou bien s'il fait la zina, ou bien s'il boit de la drogue, ou bien. Moi, il fait un grand péché. Le problème, c'est son ami. Le problème, c'est de s'asseoir avec son ami. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, il y a aussi ce qu'on appelle le hajr. Le hajr, c'est ne pas s'asseoir avec quelqu'un, ne pas parler avec quelqu'un, même si c'est de la
il fait ça des grands péchés comme celui-là, là, ça c'est yani, s'isoler de lui, l'exiler, s'éloigner de lui. Ça c'est dans la condition où on sait que par exemple, en faisant ainsi, qu'il va se corriger, s'il voit que toute sa famille ne lui parle plus et qu'il ne veut plus l'inviter, qu'ils lui font la tête, etc. Peut-être qu'il va se corriger. Mais il y a aussi une autre chose, il y a aussi le contraire de cela, c'est-à-dire le rapprochement. Il est possible aussi que en rapprochant quelqu'un près de moi, au lieu de s'exiler de lui, je peux, et en le rapprochant, je peux lui faire la da'wa. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des fois il faisait le hajra, des fois il faisait le ta'lif. Il rapprochait les gens, leur donnait de l'argent, leur donnait des chamelles, leur donnait, dans le but de quoi? De les attirer. C'est pourquoi en islam, c'est permis de donner la zakat à un kafir. Si on sait quoi? Si on sait que c'est quelqu'un, yani, qui, inshallah ta'ala, peut venir vers le bien, etc., vers le haq. Et c'est aussi permis de la donner à quelqu'un qui est musulman et qui est loin, aussi pour qu'il revienne et fortifie son dîn, et, etc. Al-Muhim. Donc je dis, par rapport à celui qui vient s'asseoir avec eux, c'est-à-dire son copain, je ne vois pas pourquoi elle, yani, pourquoi par exemple elle irait s'asseoir avec eux. Non. S'il y a un repas, et bien que les hommes mangent seuls et que les femmes mangent seules. Donc qu'elle serve à manger à son frère et son mari et son copain dans une chambre, et elle mange dans une chambre toute seule. Je ne vois pas pourquoi elle va s'asseoir avec eux, surtout que yani, c'est pas une bonne compagnie. Si c'était une compagnie yani, de gens pieux, etc., il n'y a pas une interdiction comme ça claire de s'asseoir quand on est avec son mari, on est avec son mahram. Il n'y a pas une interdiction. Mais à cause que ce sont des gens qui ne sont pas bien et qui sont vraiment yani, loin et font ce genre de péché, bon, mieux que, yani, qu'elle reste seule et que les hommes mangent seuls. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fik, cher. Je ne sais pas si vous aviez fini, car il y a des buts de son. Ça finit, Wallahu alam. Est-ce que vous m'entendez, cher? Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ça. C'est que le problème, c'est que certaines personnes, peut-être aussi elle a peur de certaines choses. Je ne sais pas comment ils se comportent, son frère et son ami homosexuel. C'est qu'il y en a, des fois, ils sont sans gêne. Et ils peuvent faire des choses qui peuvent heurter, la sensibilité. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, je vois... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, ils peuvent, je ne sais pas, moi, se faire un bisou pour se dire bonjour, ou j'en sais rien. Donc, qu'est-ce que vous conseillez par rapport à ça? S'ils ont, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pudeur et qu'ils font des choses qui peuvent heurter cette sensibilité. Sans réfléchir. J'ai pas bien compris, si tu peux répéter, voilà ce que j'en fais. Non, donc ce que je veux dire, c'est que il y a des personnes qui n'ont pas de pudeur et qui peuvent se permettre de faire des choses, c'est-à-dire peut-être que son frère et son ami homosexuel, ils peuvent, je ne sais pas, s'embrasser devant son mari, ou devant les parents, ou devant elle. Donc, qu'est-ce que vous conseillez par rapport à ça, s'ils ont ce genre de comportement? Ça doit être cher. J'ai conseillé que, yani, elle ne s'assoit pas avec eux. Si elle s'assoit avec son frère, yani, pour parler avec lui, demander ses nouvelles, et c'est des choses pareilles, naam. Mais l'autre, le voyou qui vient avec lui, c'est pas la peine de yani, s'asseoir avec lui, discuter avec lui, etc. Hein? Le voyou qui vient avec lui. Mais son frère, Malish. C'est pour ça que j'ai dit de préférence, yani, elle leur sert à manger, ils restent tous les hommes tout seuls et elle reste seule. Loin d'eux. Tadbar. Non, j'espère que le cher Kabbalah nous en préserve. Donc, prochaine question. D'un frère qui dit, j'ai une question concernant le hadith, qui dit, celui qui lit une lettre du livre d'Allah a pour cela une bonne action, et la bonne action compte 10 fois. La récompense concerne-t-elle aussi les personnes qui ont appris à lire le Coran en arabe, mais qui n'apprennent pas la langue arabe, ne lisent pas la traduction rapprochée du sens des versets, ni le tafsir du Coran, car malheureusement je connais beaucoup de personnes dans ce cas. Pouvez-vous leur faire nasiha? Je vous signale que j'enregistre la réponse à la question et que je vais la faire écouter aux personnes concernées. Donc je répète, il parle par rapport au hadith, celui qui lit une lettre du livre d'Allah a pour cela une bonne action, et la bonne action compte 10 fois. La récompense
concerne-t-elle aussi les personnes qui ont appris à lire le Coran en arabe, mais qui n'apprennent pas la langue arabe, ne lisent pas la traduction rapprochée du sens des versets, ni le tafsir du Coran, car malheureusement, je connais beaucoup de personnes dans ce cas. Fadal Yachir, je ne sais pas si ça a été clair. Concernant le hadith, etc., qu'il a cité ici, où le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit que celui qui lit le Coran, alif lam, il a dit, je ne dis pas ces trois lettres, mais c'est une lettre, mais c'est trois lettres. Et chaque lettre, c'est 10 récompenses. C'est pour ça que quand quelqu'un dit Bismillah Rahman Rahim, il a déjà combien? Il a 180 ou 190 hasana, récompenses. Alors j'ai oublié maintenant si Bismillah Rahman Rahim contient 18 lettres ou bien 19. Le mohim, chaque lettre dit hasanat. Ça, c'est même dans le cas où il ne connaît pas, où il ne sait pas c'est quoi, yani la traduction de ce verset. Le mohim, il a fait des efforts pour lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, s'il va faire pour comprendre ce qu'il y a et ce qu'il a lu, les hasanats vont doubler, tripler, quadrupler, et je ne sais pas combien Allah ta'ala va lui en donner d'après yani, la sincérité qu'il a dans le cœur et la chaleur de vouloir apprendre. Si maintenant, il va passer à une troisième étape, c'est j'ai lu, j'ai fait des efforts pour lire, ensuite, j'ai fait des efforts pour comprendre. Maintenant, je vais faire des efforts pour appliquer ça. Ça va donner encore d'autres récompenses. Combien Allah Ta'ala alam. Naam. Donc, ce sont comme ça, il y a une chose des étapes. Et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui lit, comprend et applique. Celui qui lit, comprend et applique. C'est celui-là qui a, Inch'Allah Ta'ala, le plus de récompenses que les autres. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran, cher. Prochaine question, question d'une sœur. Car en fait, le Coran n'a pas été descendu, naam, seulement pour le lire, mais pour appliquer, c'est ça la base, c'est ça l'essentiel, pour appliquer ce qu'il y a. Et pour appliquer ce qu'il y a, il faut que tu lises d'abord qu'est-ce qu'il y a. Et quand tu lis, tu ne peux pas appliquer si tu n'as pas compris. Donc il faut comprendre ce qu'il y a. Mais alhamdoulilah, Allah Ta'ala a fait une ni'ma que, même si tu lis seulement, Allah Ta'ala ne te prive pas de récompense et a fait comme une ni'ma que, même celui qui lit, juste pour avoir lu, il a les récompenses, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Alors que si tu lis un livre de, je ne sais pas, de français ou de Pascal ou de Baudelaire ou tu n'as aucune récompense. Mais si tu lis son livre, Allah Azza wa Jal, chaque lettre dit hasanat au moins bi'idhnillahi ta'ala, pour encourager les gens à ce qu'ils lisent bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfaddal. Naam, cher. Prochaine question. Question d'une sœur qui dit, j'aimerais savoir, est-ce que le versement d'argent en euros sur un compte étranger est licite? L'échange de devises doit se faire de main en main. Voilà, Allahu fikoum. J'aimerais donc savoir si le transfert d'argent ou le versement sur un compte étranger est licite. Ma question n'est pas claire. Je suis disponible pour vous donner des précisions. Donc, Fadal Hachir. Si la personne veut dire par versement sur un compte à l'étranger, si elle veut dire que ce n'est pas étranger, ce n'est pas, naam, tu vas me verser sur mon compte, toi tu es en France, tu vas me verser sur mon compte ici en Algérie des euros. Et ensuite, quand tu viens ici, je te donne de l'argent algérien. Ça c'est haram. Mais si c'est un versement bénévole, tu demandes le numéro et tu lui envoies dans son compte bénévolement. Tu lui envoies 5 euros de balasek. Il n'y a aucun mal à cela. Mais si c'est pour faire l'échange et prendre l'argent, c'est haram. Je ne sais pas si c'est ce que la personne voulait comprendre. Wallahu a'lam. Prochaine question. Question qui demande, assalamu alaikum, cher, ainsi que les amis et tous les membres. Je suis une sœur reconvertie depuis quelques années. Mon frère est aussi converti, depuis assez longtemps. Je me suis questionné sur l'obligation du sita et je pense plus vers son obligation pour éviter toute fitna. Et je me sens mieux comme ça. Ma mère est malade, je l'accompagne souvent au médecin et à l'hôpital. Et quand je suis avec elle, je suis seulement en djibeb. Quand je sors sans elle, je le mets le plus souvent.
Je me suis déjà faite suivre par un frère lorsque je ne le portais pas le sitar. Ma mère ne veut pas que je le porte. Elle veut que cela s'arrête au djilbab. Je ne sais pas quoi faire car elle est assez malade. Il faut que quelqu'un l'accompagne pour ses rendez-vous. Mon frère ne l'accompagne pas car il a honte d'être avec elle dehors. Honte de la façon dont s'habille sa mère. Je culpabilise d'agir comme ça. Que me conseillez-vous, Barakallahu fiek, et cher Fadal Cheikh? Est-ce que tu as terminé ta question? Naam, cher, si vous avez entendu la fin. Autrement, je recommence. Naam, ce qu'a dit la personne, et c'est vrai, c'est un problème. C'est pour cela que je donne une sorte de naseha, une petite naseha à toutes les sœurs qui sont en Europe et en particulier en France, où ça devient de plus en plus difficile de porter le sitar. Je leur dis, le sitar c'est une chose dans laquelle yani, les savants ont divergé entre ceux qui disent c'est obligatoire et ceux qui disent ce n'est pas obligatoire. Donc, ne vous fermez pas toutes les issues en prenant l'avis que c'est obligatoire. Ensuite, yani, vous allez tomber dans des situations difficiles et haraj et je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi faire. Si j'avais pris de l'avis que c'était tout juste, yani, conseillé, donc ça veut dire que je le mets quand je veux, je le mets quand je peux. Sinon, je ne le mets pas. Je ne le mets pas dans les conditions difficiles, etc. Mais celles maintenant qui sont parties avec quoi, comme quoi, yani, c'est un grand péché de ne pas le mettre, dans ce cas, elles vont se trouver dans des situations vraiment difficiles. Et surtout, c'est en Europe. Et surtout dans des pays comme la France où c'est vraiment yani, xénophobe, ou plutôt islamophobe. Si c'était au moins dans un pays, je ne sais où, c'est permis, fais ce que tu veux, personne ne te parle, là je le mettrais, naam, je suis libre et voilà. Donc je dis à cette sœur, si elle est de l'avis qu'il n'est pas obligatoire, alors elle peut ne pas le mettre quand elle va avec sa mère pour ne pas lui faire des problèmes. Pour ne pas lui faire des problèmes, bi'idnillahi ta'ala. Et quand elle n'est pas avec elle, elle peut naam. Prochaine question d'une sœur qui demande, lorsque vient la moitié de Ramadan, la sunna est de maudire les mécréants dans la dernière raka du 8. Est-ce que ce hadith est authentique et est-ce correct de dire qu'Allah a un endroit? Je n'ai pas bien entendu la question. Naam. Donc je répète, inshallah, la sœur demande, lorsque vient la moitié de Ramadan, la sunna est de maudire les mécréants dans la dernière raka du witr. Est-ce que ce hadith est authentique? Est-ce correct de dire qu'Allah a un endroit? Au fait, il y a deux questions. La première question est de savoir est-ce que c'est une sunna de maudire des mécréants dans la dernière raka du witr, en Dua. Et la deuxième question, est-ce que c'est correct de dire qu'Allah a un endroit? Le prophète auparavant, sallallahu alayhi wa sallam, maudissait les mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset sur lui. Je vous cite le verset, une seconde. Laysa laka min al-amri shay. Une seconde, vous allez lire le verset. Al-amra shay. Tayyip. Je ne l'ai pas, je crois, en français. Arabique. Voilà. Laysa laka min al-amri. C'est le numéro 128. Attendez, 128 en français. Voilà. Tu n'as Muhammad, ya Muhammad, tu n'as aucune part dans l'ordre divin qu'il accepte le repentir en embrassant l'islam ou qu'il les châtie ou qu'il... Donc la Ta'ala lui a interdit à la fin naam, qu'il fasse des doua comme ça contre les kuffars de genre de malédiction, etc. Il lui a dit, tu n'as aucune part dans l'ordre d'Allah Ta'ala. Car il est possible que Allah Ta'ala accepte le repentir, ou bien les châtie, ou bien naam, il fait ce qu'il veut. Al-Muhim. Maintenant, si jamais une personne yani,
tient toujours à cette chose et dit des choses comme ça de malédiction, etc., elle n'a pas le droit de citer des noms. Comme font les Khawarij et Tekfiri qui disent par exemple Ya Allahumma al-an. Al-an, c'est-à-dire dans la malédiction. Al-an Bush, Allahumma al-an Sarkozy, Allahumma al-an Kada. Non, sans citer de noms. Si quelqu'un le fait, et que pour lui il dit que ça n'a pas été abrogé, comme c'est un autre avis, dans ce cas il ne cite pas les noms, mais il parle en général. Naam. Al-Muhim. Pour la deuxième question, elle a dit est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait un endroit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'endroit. Naam. N'a pas d'endroit, c'est-à-dire, on va lui demander qu'est-ce que tu veux dire par. Comme ça dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il a dit quand une personne dit est-ce que Allah ta'ala a un endroit, on lui dit qu'est-ce que tu veux dire par endroit. Qu'est-ce que tu veux dire droit. Si tu veux dire que Allah ta'ala, yani, se trouve dans un endroit comme nous, par exemple, on se trouve dans une pièce. À droite, il y a un mur, à gauche, entouré par quatre murs, un plafond au-dessous de nous. Je suis dans un endroit, il y a des arbres devant moi. Je suis à je ne sais où, à Paris, à Marseille, à ceci. Si c'est comme ça, Allah Ta'ala n'a pas d'endroit. Mais si tu veux dire par endroit que je te dise Allah Ta'ala n'a pas d'endroit pour que tu me dises après, donc il n'est pas au-dessus du trône, ça c'est faux. Car pourquoi? Et autrefois, surtout au temps de Cheikh l'Islam, etc., les Moubtadi'a, quand tu leur dis que Allah Ta'ala se trouve au-dessus du trône, ils te disent tu l'as mis dans un endroit. Il y a le trône et il y a Allah Ta'ala qui est au-dessus du trône, donc il est dans un endroit spécial. C'est comme si on avait dit que Allah Ta'ala était assis sur le trône. C'est comme une personne qui est assise sur une chaise, donc elle est dans cet endroit. Alors que Al-Sunna disent, quand ils disent Allah est allé au-dessus du trône, ça veut dire que c'est lui le plus haut, le plus élevé. Il n'y a pas Allah, ensuite le trône au-dessus de lui. Non. Le trône, c'est la créature, création, l'élevé qui puisse exister. Parmi les choses créées, il n'y a pas plus élevé. Et sache que Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Malgré que le trône soit le plus, Allah est plus élevé que lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il le touche ou là qu'il est assis sur lui ou là qu'il est dans un endroit. C'est juste pour montrer l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc en ce sens, naam, en ce sens, yani, on dit que Allah Ta'ala n'a pas d'endroit mais il est au-dessus du trône bi'idhnillah ta'ala. Tayyib, c'est quoi Mahmoud, est-ce que tu n'as pas entendu la réponse? Non, c'est bon, j'ai entendu la fin, mais après, vous avez dû dire quelque chose par rapport que c'était la fin, peut-être des questions-réponses, un truc comme ça, parce que j'ai pas entendu ça couper. Soit de l'échec. En fait, j'avais dit, c'est quoi la dernière question? Donne-moi la dernière question, pour aujourd'hui, Inch'Allah. Non, donc la dernière question, Yachir, la personne demande, une sœur qui demande, qu'Allah vous préserve et vous accorde le Firdaus, la récompense est amin. Voici ma question, je voulais savoir, Inch'Allah, s'il m'était permis de me rendre en compagnie d'un mahram et vêtu de mon sitar dans les transports en commun en France. Barakallahu fik. Fadal Cheikh. Naam, j'ai pas compris la question. Si tu peux me l'expliquer, barakallahu fik. Surtout toi, tu es de France et tu sais ce qu'elle veut dire. Fadal. Donc la sœur demande si elle peut se rendre dans les transports en commun avec son mahram et en sitar. Donc si elle est avec son mahram, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci, au contraire. Mais ce que je pense, c'est que peut-être qu'il y a la peur, ou peut-être que dans les transports en commun, si c'est à Paris, il y a du monde, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle veut dire, parce que je ne vois pas où est l'interdiction si elle est avec son mahram. Et le fait qu'elle ait rajouté avec mon sitar, c'est peut-être le fait qu'elle a peur de la réaction des gens, et qu'elle peut avoir des soucis ou des problèmes. Je ne sais pas, très bien cher. D'ailleurs, Fawzi, je viens de remarquer une chose. Tu écris comme moi en rouge. Hamt, donc, Inch'Allah Ta'ala, change de couleur et laisse-moi le rouge, bi'idhnillah ta'ala. Hamt, le rouge, c'est spécialement pour moi. Naam, toi, Inch'Allah Ta'ala, écris en bleu, par exemple. Moi, quand j'écris en rouge, pour que ça soit bien visible, et peut-être c'est des choses graves que tout le monde doit lire. Hamt, bon, j'ai dit que, voilà, il veut devenir professeur.
J'ai dit que j'ai pas compris ce qu'elle veut dire. Si elle veut dire, yani, du point de vue religieux, parce qu'elle peut faire ça, bien sûr qu'elle peut aller avec son mahram. Et même si elle n'est pas avec son mahram, elle monte dans le bus, le transport public, ce n'est pas interdit, car elle n'a pas fait de voyage. Elle est toujours en ville. Et en ville, ce n'est pas interdit de monter dans un bus. Non. Et encore, encore moins si elle est avec donc, son mahram. Donc si elle demande religieusement, il n'y a aucun problème. Maintenant, si elle demande, yani, elle a peur des gens, etc., je pense qu'elle doit demander aux gens de France comment ça se passe, je ne sais pas. Car je peux lui dire, tu es avec ton mahram, il ne faut pas avoir peur. Alors qu'elle peut être agressée même avec son mahram. Donc moi, je ne sais pas comment ça se passe en France. C'est elle qui demande à ses copines, à ses amis, est-ce qu'elles sortent avec le sitar et est-ce qu'il n'y a pas de problème, etc. Voilà, naam. Peut-être même son mahram, c'est pas avec des personnes. Allahu alam. Elle doit demander, ce n'est pas toutes les villes sont pareilles. Je ne sais pas où elle est exactement. Elle demande, est-ce que c'est possible de sortir et elle voit. Et ensuite, elle ne doit pas sortir la nuit, par exemple, ni aller dans des endroits isolés. Et que Allah Ta'ala lui facilite de rentrer dans un pays musulman et d'habiter et de terminer ses jours dans un pays musulman. Bi'idhnillahi Ta'ala. J'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala. Si c'est possible, si Allah Ta'ala nous aide. Ah, c'est beau en bleu. Peut-être on va changer, je prends le bleu, tu prends le rouge. Al-Muhim. Peut-être que, Inch'Allah Ta'ala, si Allah Ta'ala nous aide et je suis libre, on fera le vendredi aussi, Inch'Allah Ta'ala. On fera aussi, Inch'Allah Ta'ala, le vendredi. Si je peux. Donc suivez Twitter, naam. Ceux qui ont le Twitter, ils regardent si l'après-midi, parce que moi je ne peux pas savoir, par exemple, d'ici vendredi, est-ce que je serai libre. Mais le vendredi, après-midi, je peux savoir. S'il est maintenant 15h, 16h, je suis toujours à la maison, ça veut dire que je serai là normalement la nuit. Wallahu alam. Donc, j'écris sur Twitter que, inshallah ta'ala, ce soir, question-réponse, bi'idhnillahi ta'ala. Sinon, samedi, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu lik. Qu'est-ce qu'on te demande, Mahmoud? Non, je vais commencer la chef. On me demande quand est-ce que sera l'audio sur le site des questions-réponses d'aujourd'hui et est-ce que c'est enregistré. Voilà, donc c'est cool. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais même pas si ça a été enregistré ou pas. Ce sont des choses que c'est juste pour nous. Yani, c'est juste pour qu'on se rencontre comme ça pendant le ramadan et un petit rappel, bi'idhnillahi ta'ala. Je ne sais pas. C'est à vous de voir avec Fawzi, etc. comment ça se passe, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, Mahmoud, tu ne m'as pas dit. Est-ce que tu as quelque chose à me répondre en PV ou tu n'as rien? Naam, tu vas pouvoir en PV. Naam, vite fait, Inch'Allah, bi'idhnillah, par rapport à ce que je vous ai mis. Et voilà. Donc, Fawzi, tu me dis que c'est enregistré, Inch'Allah. Donc, si tu peux m'envoyer l'audio. Et je sais pas après. Donc, par rapport au prix, cher pour le temps que vous nous accordez. Et qu'Allah vous aide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.